Salim Zakriti. Rajdi Oussama. Mohamed Yassine. Saïdi Khaled. Elalou Chamza. Ziani Younes, la tige. Eux, ce sont les nouveaux joueurs du Lart Bruxelles. Le club de la capitale a vécu une intersaison mouvementée avec le départ de nombreux cadres. Exit Brahim El Jomaïle, Bouamama Boulkoumit ou encore Mémé Baadou. À l'aube de ce nouvel exercice, les Lakenois ont décidé de parier sur la jeunesse. Moi, je vois beaucoup de qualité dans le groupe pour avoir assisté à certains entraînements, etc. Donc je me dis que peu importe l'âge, le talent il n'attend pas et je pense qu'il y a des places à prendre. Voilà, donc je me dis que ces jeunes-là aussi, ils ont le droit d'être mis en avant. Et voilà, tout simplement, je pense qu'on a plein de pépites à Bruxelles et dans nos quartiers. Ben, aujourd'hui, c'est que juste cause de leur donner aussi cet espace-là. Voilà. Dans la foulée, Mehdi Jaber a troqué son maillot pour enfiler le costume d'entraîneur, un profil qui match parfaitement avec la nouvelle philosophie du club, dont le maintien reste l'objectif numéro un. Nouveau poste, nouvelle fonction, nouveau projet dans le club. Pour moi aussi, c'est nouveau. J'ai jamais coaché, donc j'apprends. J'ai un groupe jeune, donc... Je suis tranquille, on ne m'a pas mis d'objectif au placé non plus, donc je prends ça pour le moment tranquillement. Et au cours de l'année, si à un moment donné il y a des stress, tu le verras de toute façon. Franchement, on ne s'est pas vraiment fixé d'objectif cette année. On essaie vraiment d'abord de ramener les jeunes en équipe première, puis essayer de bien les former et pourquoi pas créer peut-être un exploit si on travaille bien aux entraînements et qu'on fait des résultats en match. Il y a beaucoup de qualité dans le groupe. On a Mehdi qui nous soutient. Non, je pense qu'on peut faire quelque chose. J'espère être la surprise. Moi, on va dire je suis un peu l'ancien, entre guillemets. Ils sont tous très très jeunes, ils ont tous la moyenne 18, 21. Donc voilà, normalement ça va bien se passer. Ils écoutent, ils travaillent et on espère faire une bonne saison. Mehdi Jaber pourra également compter sur Yassine Mohammadi, victime d'un grave accident de la route il y a 2 ans. Mohammadi compte bien débuter la compétition avec un fort esprit de revanche. Georges, on va un peu dire que c'est le seul qui a cru en moi. Au bout de 2 ans, il me rappelle, parce que je l'ai connu pendant plusieurs années en sélection espoir. Et voilà, il me rappelle après mon accident, 2 ans plus tard, c'est que j'ai vraiment travaillé. Bon, et voilà quoi. Je vais montrer que je suis de retour, quoi. C'est juste ça que je veux, moi, montrer que je suis de retour. Après, le reste, il va avec le temps, c'est tout. Audace, culot, grinta, insouciance, tels seront les ingrédients du Lart, version 2019-2020.